le Seigneur leur dit, prenez et mangez-en tous. Tu vois tout ce qu'il y a. Encore, il n'y a même pas la moitié du sac. Et là, c'est normal. On jette. Il y a à bouffer pour tout le monde, mais vous êtes trop cons. Tu vois. Là, je peux même plus le donner au clochard. Trop tard, il est au moins 4 heures du mat. Là. J'ai pas pu m'enfermer en film ni chez Tata à l'oracle, comme ça, ni chez la Sophie. Bon, il y avait son pote. Donc j'ai mis la Sophie, c'est mon baleineau. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est sûr que... Écoute, faut du temps. Il faut tant de... Par contre, quand jette de la bouffe, alors ça me plaît pas du tout. Ça, c'était pour montrer, démonstration. Bon, il y a, bon, je sais pas, là, il y a 10 sandwichs, 12 sandwichs, tu vois, tout ça. En tout cas, 3,50. Dans la vitrine, jusqu'à 8 heures moins le quart, c'est 3,50. Après, c'est poubelle. Tu chauffes hein, ou tu chauffes pas, là? Toi, comment on va dire ça, tu veux le truc, tu veux. Toi, que je te le dis, que je te le dis, là, que je te le dis. Pour dire tout ce qu'on jette, bon, c'est pas que la brioche dorée, Carrefour, TNL, le grand Carrefour TNL, Téléternel, TCL, bah TCL, ouais, qu'est-ce que t'en penses, non, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a là? J'avais le feu vert de terre là. Les transports TCL, c'était beau, un rond dans un rond. Ils ont enlevé les derniers recoins de l'âme. Vous êtes tous numérisés, vous êtes tous mal formaté. De toute façon, il manque des matières à l'école. Alors, comment tu veux que je te le dise? Que je te le dis, que je te le dis. Moi, je vois que j'ai même pas fini la moitié du sac poubelle. C'est un 110 litres plein. Il y a déjà 10 tonnes de sandwich. Regarde le truc. Attends. Merde, hein, j'invente pas. Hein. Mais ils jettent. Ah, ils vont pas le donner. Hein. Après, il y a tous les desserts, les croissants, les machins. J'ai sauvé quand même 6 croissants. Bon, 3, je les ai jetés, il y a trop de confusion, trop de marre de café. 2 croissants aux amandes, comme ça, là, genre comme ça. Tu vois le truc? Je me suis fait chier à porter le sac, au moins juste pour faire le film de chez moi, parce que de toute façon, ils comprennent rien tous. Je revendique, hein, voilà. Vous êtes de la merde, car vous faites de la merde, car... bande de cons, dernière sommation. Tu vois ça? Combien de gens qu'on part à manger? Ça va finir dans la poubelle. Parce que... qu'est-ce que je donne ça à qui, maintenant? Tu vois le truc? C'est relou, hein. Pas que c'est un peu relou, toi. Bon, le sophiste, je dis rien. Bah, et nous, c'est tout un truc. Le christélisme, oh là là, c'est encore pire. Le florentisme, c'est pas mal, mais elle n'a pas appelé. Bon. Continuer à me prendre pour un con. Alors, le 11 septembre, vendredi 13, dernier vendredi 13, j'avais annoncé une grosse vague. Parce que moi, j'ai vu quand la mer va déborder. Attention, accrochez-vous. Hein. De Marseille à Monaco, il n'y a plus rien. Ça. Mais en fait, c'était une vague d'attentat. Mais tu sais, le discernement, le discernement vrai. Là. Prophète de mes couilles, la prophétie de mes deux, et, entre moi et mes deux, sans encore ça aller. Qu'est-ce qu'il y a? Mais viens le mal, mais viens, défonce ta race, enculé. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu me fais à la Jacques Lang là, à la Fabius là, tu joues en Fabius mineur?
Tu sais, Roselyne, Bachelot, les vaccins, H1N1, N4, N3, N8, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là? Vous me prenez pour un con là? Qu'est-ce que c'est? Tu crois que je gobe à la télé moi? Je crois que j'ai gobé même en 69, la personne qui a marché sur la Lune, j'y étais encore à moitié. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? En septembre, rien. De quoi le tsunami? La harpe? Sous de l'harpe, toi, avec 2 ans? Prenez-moi pour un con. De quoi la zone Area 51? Oh, Google Earth, oh ben non, il n'y en a plus. Hein? C'est quoi? On peut voir un poil de couille de morpion au fond de l'océan, mais non. Oh, on peut pas trouver Malaysia Airlines, par exemple. Oui, finalement, c'était un missile. Bon, allez, c'est bon. Veuillez vaquer à vos occupations.